Bonjour, aujourd'hui nous allons encore évoquer le télétravail. On se pose beaucoup de questions. Quid du télétravail? Quid de la semaine de 4 jours? Comment va-t-on articuler tout ça? En fait, tous les problèmes ne sont pas réglés. Qui parle de télétravail doit évaluer un certain nombre de questions juridiques. On va commencer par effectivement tout ce qui est égalité de traitement entre les salariés. Pourquoi certains pourraient télétravailler et d'autres pas? Que se passe-t-il en cas d'accident du travail? Un salarié est chez lui, il va chercher un verre d'eau, il tombe dans les escaliers. Est-ce que c'est un accident du travail? Eh bien oui, c'est un accident du travail, sauf si l'employeur arrive à prouver le contraire. Est-on obligé d'accepter le télétravail dès lors qu'il est prescrit par le médecin du travail qui indique que le salarié peut travailler à condition de télétravailler? Eh bien oui, employeur, vous êtes obligé d'accepter la mise en place du télétravail si cette modalité existe déjà dans l'entreprise, sinon pas obligé de la mettre en œuvre. Il y a d'autres soucis, les assurances, est-ce que le salarié est assuré chez lui? Est-ce que l'employeur est bien assuré au titre de sa responsabilité civile? Est-ce que tout ça a bien été relu, révisé avec les assureurs? Que se passe-t-il quand les représentants du personnel demandent une indemnisation au titre du télétravail? Oui, mais je suis chez moi, je vais chauffer davantage, et puis l'électricité, et puis je vais aller grignoter dans mon réfrigérateur. En fait, jusqu'à présent, il était acté que l'employeur devait prendre en charge les frais strictement professionnels. Maintenant, depuis la loi de 2018, vous pouvez verser une indemnité qui est acceptée par l'URSSAF et qui est variable selon le nombre de jours de télétravail. Auquel cas, l'employeur va nous dire, oui, effectivement, on donne une indemnité, il n'y a plus de chauffage, mais il y a beaucoup moins de transport, il y a moins d'essence. Alors, que fait-on? Se pose également la question des titres restaurants qui sont dus également pour les salariés en télétravail. Plein d'autres questions et les réponses s'enrichissent au fur et à mesure de la jurisprudence.